Bravo. Suite à cette vidéo, ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Je disais dans cette vidéo qu'il est possible de manger tout ce que vous voulez et que la différence, que ce soit entre guillemets de la bonne ou de la pas bonne nourriture, de la junk food ou de la nourriture bio, selon les budgets et les porte-monnaies. Et je disais que il est possible de manger tout ce que vous souhaitez. Bien sûr, de respecter un minimum le paramètre santé, de ne pas vous mettre plus en difficulté ou en danger en termes de santé si votre santé est déjà moyenne, voire dégradée, et que l'alimentation joue un rôle fondamental dans la santé. Tout le monde le sait. En tout cas, je disais dans cette vidéo qu'il est possible de manger tout et n'importe quoi, mais en conscience, et que ce qui fait la différence, c'est certes ce qu'il y a dans l'assiette, mais surtout la conscience avec laquelle nous nous nourrissons de ce qu'il y a dans l'assiette, ou dans le bol, ou dans le verre, ou dans le fameux rien du tout. Le rien du tout étant, d'un point de vue cartésien, bien le rien, l'absence de. Et ce à quoi répondrait justement la nourriture pranique, qui est nourriture conscience, nourriture de la lumière, de ces quatre lumières. Biophoton soleil, le cœur, la conscience, la présence et éventuellement la lumière du divin. Ce à quoi une personne m'a fait ce commentaire, qu'est-ce que c'est que manger n'importe quoi en conscience? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Manger n'importe quoi en conscience. Eh bien, le n'importe quoi, c'est au regard de la santé, qui n'est pas le plus pertinent, le plus judicieux pour vous. C'est aussi en termes de budget, d'acheter n'importe quoi qui ne convienne pas à vos critères budget, portefeuille, porte-monnaie, et que vous consacriez des dépenses en termes d'alimentation qui soient au-delà de ce que votre budget réel vous permet. Et enfin et surtout, le n'importe quoi est aussi en regard, au regard de ce que le corps lui-même, le corps dont il est fondamental de nourrir et de bien nourrir, eh bien le corps de nous indiquer ce dont il a besoin, pas tellement ce dont il a envie, ce dont il a besoin et que nous écoutions pour satisfaire ses besoins corporels. Et donc manger n'importe quoi, c'est ne pas entendre les besoins du corps tout simplement. Ne pas écouter, ne pas ressentir, ne pas observer, ne pas capter les messages du corps et se nourrir de n'importe quoi. Qui contrarie le porte-monnaie, qui contrarie la santé et qui contrarie les besoins du corps et au final l'équilibre et la santé du corps. En termes de surcharge, en termes d'intoxication et en termes surtout de compensation émotionnelle, affective, de répondre aux injonctions conscientes, semi-conscientes, inconscientes, programmations diverses et variées du « il faut manger ». Il faut manger, sinon tu vas mourir, sinon tu vas maigrir, sinon tu vas être faible. Sinon je ne t'aime plus, mange, fais-moi plaisir, termine ton assiette. Mange, sinon tu vas avoir faim et tu vas te relever la nuit. Mange parce que le frigo est fermé à clé, la cuisine est fermée à clé et tu ne mangeras plus jusqu'à demain matin. Mange, termine ton assiette et termine le plat. Ça ne se fait pas de jeter la nourriture. Enfin, tout le monde a connu ça, plus ou moins. Donc, manger en conscience s'appelle se nourrir. Et que voudrait dire alors la conscience? La conscience, c'est ici et maintenant. Être à l'écoute, ressentir.
capter, se laisser contacter par les messages du corps, les messages sensoriels, les sensations, les émotions, les impressions, et y répondre tout simplement à hauteur du quantitatif et qualitatif indiqué par le corps lui-même. Ce qui est une très très belle démarche, et aussi simple que celle-là, de manger à hauteur de la faim de l'estomac. Autrement dit, quand vous mangez, avez-vous faim au niveau de l'estomac? Avez-vous faim au niveau des pensées, des émotions? Quelle est la faim qui vous pousse à prendre dans le frigo, le placard, à sortir les casseroles, etc., etc., à dire oui alors que vous n'avez pas forcément faim? Et ainsi, dans le fameux « mangez moins, mangez mieux », et peut-être selon votre rapport poids-taille, indice de masse corporelle, transitoirement de manger d'abord plus, mais en tout cas manger mieux. Et une fois encore, le manger mieux, certes c'est ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est aussi de la relation avec laquelle vous allez vous nourrir, consciente, libre. Conscience veut dire liberté, maîtrise, ou programmée, et donc conditionnée. Et ainsi, de se nourrir en conscience, à hauteur des besoins du corps, permet la béquille anesthésiante, anxiolytique, somnifère, passe-temps, palliative, etc., etc., permet de faire remonter à la surface des choses qui viennent de plus ou moins profond et que nous avons mis de côté et endormi, étouffé grâce à ce que nous avons mis par-dessus, c'est-à-dire la nourriture entre autres et tout le reste. Autre béquille compensatrice, autre schéma qui nous ont piloté au regard du docteur Jeffrey Jung. Et lesquelles profondeurs il est tout à fait possible d'aller visiter un peu plus souvent que nous ne l'avons fait peut-être jusque-là. De visiter, d'explorer un petit peu plus en profondeur. Et ainsi de mettre tout simplement de la lumière dans l'obscurité, dans l'ombre. Alors tel ce château du Saillant, à Andelatte dans le Cantal, visitons nos placards intérieurs, nos greniers intérieurs, nos caves intérieures, nos tiroirs intérieurs, nos alcôves intérieures, nos salles, arrière-salles et recoins intérieurs. Une fois encore, mettre la lumière dans ces zones oublié, négligé, malmené, étouffé, rejeté, renié, banalisé, rationalisé, etc., etc. Et que ce château se transforme en un magnifique palais des mille et une nuits. Où la danse de Shiva Shakti, le couple intérieur peut enfin s'exprimer dans la transcendance d'un amour conditionné à un amour inconditionnel, déploiement du cœur, ici, maintenant et partout. Telle la conscience infinie, illimitée, joyeuse, éternelle que nous sommes tous. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.